Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve avec plaisir pour vous montrer quelques produits que j'ai achetés. J'ai testé le site Cosmecatless, si c'est comme ça que l'on prononce, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site qui vend beaucoup de marques différentes et notamment du Catrice et Essence. Et là, j'ai pris quelques produits que je voulais tester, donc je vais vous montrer tout ça. J'ai d'abord pris chez Essence, parce que j'ai croqué dessus, des petites boucles d'oreilles comme ceci, en forme de petites roses. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je me suis dit pourquoi pas, pour changer un petit peu. J'ai ensuite pris un vernis Essence, donc qui s'appelle Holoshimer, qui est comme ceci, qui est un blanc plein de reflets holographiques. Donc vous connaissez ma passion pour les vernis holographiques. Là, ça me donne l'occasion de tester parce que je ne connais pas du tout. Ensuite, j'ai pris une basse côte, toujours Essence, qui s'appelle donc Protectin Basse Côte, qui se présente comme ceci. Donc elle peut servir aussi bien de base que de top coat. J'ai bien aimé parce qu'en voyant déjà la taille du pinceau, on se dit que ben, quand on arrive vers la fin du pot, il n'y aurait pas de souci pour pouvoir attraper le produit. J'aime bien la taille également la taille du pinceau. Je trouve ça très très bien. Donc je vais essayer, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, j'ai pris pour essayer de la marque I Love Makeup, les lip lava, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Donc ça se présente comme ceci. J'ai pris deux couleurs différentes. J'ai pris celle-ci Forgiven, ce qui s'appelle, et celle-ci Unleash, je ne sais pas vraiment. Voilà, je vous montre les noms. Désolée pour ma prononciation. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Donc, ça se présente comme ceci. Et en fait, je crois que. Ah, voilà, l'embout est un embout mousse. Et j'avais envie d'essayer parce que j'en entends beaucoup parler. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voyons, donc on appuie, on sort, voyez, le produit. Je sens que je vais m'en mettre partout, mais c'est pas grave. Oula, ah oui. Oui, en effet. Bon. Il est comme ceci, voyons. Qu'est-ce que ça donne sur les lèvres? Test en direct. Oui. Bon, je sais, je m'en suis pas mis partout parce que je vois pas bien. Pas mal. Agréable à porter. Sent bon, ça s'applique facilement. Il n'y a pas d'odeur particulière. La couleur est pas mal. Ouais, c'est sympa. J'aime bien. À voir après comment c'est dans le temps. Je pense que c'est bien parce que je n'ai vu que des revues positives là-dessus. Ensuite, j'ai pris des pinceaux. C'était marqué mini. Des réoles techniques, mais des mini. Et donc, bah, je m'attendais ou bien des petits pinceaux, mais pas aussi petits parce qu'en fait, ça c'est plutôt taille voyage. Donc, ils auraient dû mettre taille voyage. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est un trio, c'est le mini broche trio, comme ceci. Pardon, que j'ai trouvé, bon, c'est sympa. Mais ça, c'est plutôt taille voyage que mini. Hein. Mini, c'est quand même un petit peu, peut-être un peu plus grand, je dirais, parce que j'en ai taille voyage et j'en ai des mini. Et franchement, c'est pas du tout pareil, mais bon, c'est sympa. Voilà. Et j'ai voulu tester aussi une palette de BH Cosmétiques. Donc celle-ci, qui est très, très, très belle. Et qui se présente comme ceci. Les couleurs sont magnifiques. Vous avez, hop, vous voyez, voilà avec quoi je me filme. Coucou. Elle m'a l'air très bien, très sympa. À voir ce que ça donne. Voilà. Bon, je suis très contente de ce site. Je l'ai reçu avec signature, enfin contre-signature. Ça, je ne le savais pas, mais c'est très bien. Ça vient d'Allemagne. Et en fait, je suis ravie. Ça a été très rapide. C'était très, très, très bien emballé. Vous aviez, je vais vous montrer d'ailleurs comment c'était emballé.
comme vous pouvez le voir, il y a même des petits coupons de réduction pour des sites. Notamment, il y a 10% de remise sur les produits Catrice et Essence avec un code spécial sur le site. Il y a vraiment de tout. J'aime beaucoup. Je suis ravie. C'est un avis très positif pour cette commande. Voilà, j'espère que cette petite on va dire revue découverte du site Cosmetcatless, que je ne dise pas de bêtises, vous aura plu. Si vous le connaissez, si vous avez déjà passé commande, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire avec des liens. Si vous avez fait des vidéos ou des articles, je les verrai avec grand plaisir. Si vous connaissez ces produits, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout, prenez soin de vous.